Pardon. L'hôpital, s'il vous plaît. C'est par là. Excusez-moi. Oui, on ne nous a laissé que ce petit coin pour le lycée. Allô, allô, au travail, qu'est-ce que ça signifie? Oh, j'en ai marre à la fin, moi, d'être appelé des ampoules. Mais qu'est-ce que vous diriez si vous creusiez des tranchées, hein? Je dirais rien. Combien sont-ils? Trois voitures, une bonne douzaine. Ah, te voilà, toi. Arrive ici que je t'habille. Tu t'en vas vite. On vient de téléphoner de la gare. Un petit convoi. Moi, je te préviens. Ils viennent tout droit du front. Tu n'auras pas peur, au moins. Ah, docteur, je vous présente ma fille. Il vient nous donner un petit coup de main. Je crois que je tombe mal. Pourquoi mal? Parce qu'il arrive des blessés. C'est bien pour ça que vous êtes venu. Quand on ne tient pas sur ses jambes, on n'aide pas les autres à marcher. Ça va mieux? Oui, très bien. J'ai glissé bêtement. Vous n'avez pas glissé? C'était la première fois. Je sais bien que c'est ridicule. Demain, je me tiendrai mieux. Je pense qu'on s'habitue. Je crois pas. Il faut! Mais pourquoi il faut? Marthe! Où vas-tu? C'est ma mère. Je m'en vais, j'en ai assez. Je m'en vais! Alors, tout le monde a compris que je m'étais évanouie. Bon, peut-être pas tout le monde. Vous savez, les gens sont très bêtes. Qu'est-ce qu'on a dû penser de moi? Beaucoup de mal, soyez tranquille. Ça vous intéresse de savoir ce que j'ai pensé, moi? Beaucoup de bien. Non, mais j'ai trouvé ça naturel. Ici, personne ne s'évanouit jamais. Et pourtant, Dieu sait s'il y a de quoi. Oui. C'était affreux. Vous voyez bien. Ça m'ennuierait que vous reveniez. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses auxquelles il ne faut pas s'habituer. Eh bien, Jean-Père, où allez-vous? Tenez, vous voyez ça? Ça non plus, je ne peux pas m'y habituer.
Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Déjà pas encore, merci. Oh, ça viendra. Bah, qu'est-ce qu'il en sait, celui-là? Ce sera peut-être fini avant. Quoi donc? Bah, la guerre. Ah oui, la guerre. Oh, regarde, ta typesse d'hier. Oh, bah, j'ai gagné, elle remet ça, elle revient. J'ai perdu. Ne m'attends pas. Ne pense pas comme vous. Elle aurait voulu que je retourne à l'hôpital. Bien sûr, il faut des infirmières. Si vous n'êtes pas faites pour ça, pourquoi vous forcez? Mais regardez cela. Vous croyez qu'ils sont volontaires? Qu'est-ce que vous en savez? Vous se verrez. C'est mal de parler comme ça. Quoi? Tout le monde est dans les guerres. Pas nous. Écoutez, comment vous appelez-vous? Moi, François. Marthe. Écoutez, Marthe, on va faire un pacte. On ne parlera jamais de la guerre. Obligé d'en parler. J'en parle pas, moi. Où allez-vous? À Paris faire des courses. Je suis bonne qu'à ça. Et vous revenez quand? Je vais demander quand revenez-vous. Papa! Ah, c'est trop long! Qu'est-ce qui vous arrive? C'est rien. Vous n'allez pas au lycée aujourd'hui? Non, j'ai le temps, je vais avec vous. Vous n'allez tout de même pas m'accompagner dans les magasins? Attendez, retirez votre pied, s'il vous plaît. Ah, le voilà. Bien sûr, je vais vous accompagner. Et ça, moi, que ça ne vous ennuie trop. Vous aimez les timbres? Oui, j'ai même la collection de papa. Ah, et ça vous plaît? C'est plutôt pour lui faire plaisir. Tenez, les 15 centimes de Madagascar. Pas la série des singes, la série des zébus. Vous avez des distractions sérieuses. Oui, un petit peu, quoi. C'est le temps. Oh. 200 francs, ça vous va? 200 francs? Oh non, ça, ça vaut plus que ça, rien que ma série des zébus. Oh, il y a une invasion de zébus en ce moment, comme vous voudrez. Attends, ça, vous avez de la veine que j'ai besoin d'argent, vous savez. Un, deux, vous enlevez une danseuse? Oh, c'est pas qu'elle sait danser. Vite, ridons-nous! Ouais, bonjour. Et qui portez-vous ces robes? Et à vous. Et vos timbres? Vous voyez tout. Vous êtes allé les vendre? Oui, oh. J'ai fait une affaire extraordinaire. Je ne vous coûterai pas si cher. Ah, sait-on jamais. Je m'en vais dans un quart d'heure, je vais déjeuner chez des gens. Chez qui? Vous avez vu sans moi? Attendez. Je vous ai rattrapé. Pas pour longtemps. Garçon, deux roses. Pas pour moi. Oh. Laissez, si vous ne buvez pas, moi, je me charge. Ah non, moi, ça me suffit, je me sens déjà toute rouge. Oh, vous auriez pu me le dire plus tôt, je suis affreuse. Regardez ce que vous me faites faire. J'ai enlevé mon chapeau devant tout le monde. Je voudrais vous poser une question. Vous aimez beaucoup votre coiffure? Pourquoi? Je sais pas, j'ai rien dit. Je vous voyais autrement. Par exemple, les cheveux lisses. Tiens, c'est curieux. Personne ne vous a jamais dit ça? Aucun homme? Aucun homme. Hein? Tant mieux. Quel âge avez-vous? Je suis fiancée. Vous m'en voulez, n'est-ce pas? Je vous en veux de me l'avoir caché. La preuve, c'est que vous m'avez dit de vous attendre à la porte du photographe. Oh, je n'avais pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé que ça me ferait de la peine si je voyais ces photos? Non. Alors, ne vous ai pas le montré. Il est si laid que ça? Non, par exemple. C'est toujours la guerre, naturellement. Il est très beau.
Moi, je trouve. Elle est pas mal. Et vous l'aimez? Naturellement. Et lui aussi vous aime, naturellement? Je crois. Vous n'en êtes pas sûr? Oh, si, j'en suis sûre. Ça vous ennuie beaucoup? Qu'est-ce que vous aviez cru? Nous aimerions ensemble. Je peux... C'est-à-dire... Et c'est-à-dire quoi? Je dois déjeuner chez ses parents. Ses parents? Non, leur permettez, ils ont le téléphone? Oui. Venez, déjeuner avec moi. Vous me devez bien ça. Mais c'est terrible, qu'est-ce que je vais leur dire? Non, n'importe quoi, que vous êtes trop loin pour aller chez eux, ou bien que... Ah, non! Comment vous? Au moins, laissez-moi mentir toute seule. Donnez le pommard maintenant. Vous savez, Marc, que vous n'aimez pas ce militaire. Ah, oh, ben vous avez tous les deux paix. Et pourquoi ça? Parce que vous êtes ici, tout simplement. Si vous le prenez comme ça, je m'en vais. Ça ne changera rien. Tant pis, je reste. Mais c'est pas pour vous, c'est pour le sanglier. Vous aimez beaucoup le sanglier? Justement, ce que je veux savoir, je n'en ai jamais mangé. Je n'ai plus de 1906, monsieur, je m'excuse. Monsieur veut-il le 1905? Il est bon aussi. Oui, oui, ça ira, merci. Il est plus vieux que vous, votre pain. Vous savez, j'ai 17 ans. Vous êtes encore en seconde à 17 ans? Oui, je suis terriblement en retard. D'ailleurs, vous ne pouvez pas avoir 17 ans. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez 13 ans au début de la guerre. Bon, à quelques mois près. Sans le bouchon. C'est vrai? Goûtez. Oui, peut-être. Vous ne trouvez pas? Si, vous avez raison. Sommelier! Monsieur, dites-moi, ce vin sans le bouchon. Le bouchon? Monsieur m'étonne. Permettez. Tu m'excuseras, mais je ne sens rien. Quelque chose ne va pas, monsieur? Non, ce n'est rien, c'est le pommard sent un peu le bouchon. Le bouchon? Tiens, pourtant nous n'avons jamais d'ennui avec ce vin-là. Vous permettez? Monsieur a sans doute raison, mais... Je ne vois rien. Je regrette, mais c'est un fait. Anselme, vous allez me dire... Est-ce que ce vin a quelque chose? À moins que ces bourgognes déjà assez vieux et qui sont très chargés en tanins. Alors? Non, mais je le reconnais parfaitement, c'est votre pommard 1906. Non, 1905. Non, il n'a rien. Mais que disait monsieur? Je dis qu'il sent le bouchon. Le bouchon? Appelez-moi le gérant. Monsieur Georges. C'est pourtant bien simple, j'ai là un pommard qui sent le bouchon. Ces messieurs en ont laissé un peu, si vous voulez goûter. Je vous en prie, monsieur, puisque vous le dites. Changez cette bouteille. Je m'excuse. Le reste allait bien. Tout est parfait. C'est vous qui êtes terrible. Chacun son tour. Il y a une bonbon. Et pas le moindre goût de bouchon, n'est-ce pas? Pas le moindre. Non, non, non. Vous en êtes très bien tiré. Merci. Bon, je savais que c'était une épreuve. Je peux avoir ma récompense? On nous regarde. C'est tout ce que vous trouvez à dire? Vous voyez bien que vous ne l'aimez pas. François, je ne demande même plus parler de ça. Vous avez peur? Avouez-le. Eh bien oui, ça peut vous faire plaisir, j'ai un peu peur. De moi ou de vous? Ça ne vous regarde pas. Ah, merci. Merci.
Pourquoi vous êtes-vous tellement pressé? Vous n'auriez pas pu attendre un peu? Attendre quoi? De me rencontrer. François. Et puis, je suis bien plus vieille que vous. Je suis très jaloux, vous savez. Non, pas de lui, non, mais je suis jaloux de vous. Alors, vous ne voulez pas que je sois heureuse? Si, je veux bien. Mais pas sans moi. C'est impossible. Mais alors, bon Dieu, pourquoi êtes-vous ici? Oh, j'ai pu vous voir en colère. Vous avez raison, Marthe, c'est vous qui avez raison. Ne parlons plus de rien. Vous avez vu que le général Nivelle prépare une offensive en Champagne? C'est ça qui vous fait pleurer? Si vous voulez maintenant voir nos chambres à coucher. Non, c'est pas la peine. Pourquoi pas? J'avais déjà vu des salles à manger, des salons, des batteries de cuisine. Un lit, c'est encore plus important pour un jeune ménage, non? Je vais vous montrer un modèle qui plaît beaucoup en ce moment. C'est par ici. Voilà. C'est du moderne. Vous n'allez tout de même pas dormir là-dedans? Je ne vous ai pas dit que j'aimais ça. Évidemment, c'est un paradis comme conception. Ah, voilà. Les deux lits jumeaux. Ça, c'est une autre conception. Oh, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Marc. Regardez, celle-là est possible. Elle n'est pas si mal. Non. Réfléchissez, vous pourriez peut-être choisir ça. Non. Je ne sais pas encore. Je ne suis pas pressée. Comme vous voudrez. Marthe, qu'est-ce que ça veut dire, je ne suis pas pressée? Rien. J'ai eu tort de venir ici avec vous. Non. Vous ne m'aimez pas du tout, n'est-ce pas? Naturellement, je ne vous aime pas. Alors, c'est promis, vous m'attendez? J'attendrai. Non, dites, je vous attendrai. C'est la même chose. Nous arrivons. Vos pauvres fleurs, elles ne sont plus bien jolies. Vous les gardez? Je pense bien, je veux les peindre. Vous savez, les pétales tombés autour d'un vase, ça fait très joli sur une aquarelle. Seule? Vous m'aviez pas dit que votre fiancé vous attendrait? Oh, François, je ne le savais pas. Rendez-moi mes fleurs, elles vont vous gêner. Oh, vos fleurs? Elles ne sont pas à vous. Au revoir, François. À bientôt. À demain. Oh, je vous en supplie. Ne faites rien avant que je vous écrive. Vite, mes enfants, nous avons juste le temps d'aller visiter votre appartement. Je crois que ça vaut la peine, il va faire nuit. À qui la faute? Hé, hey, la con! C'est facile, c'est facile. C'est
à cette heure-ci que tu rentres? Après mes cours, j'étais au cinéma. Curieuse idée, alors que Jacques t'attendait ici. Comment voulais-tu que je le sache, il ne l'avertit pas. Qu'est-ce que ce garçon avec qui tu parlais? Je ne sais pas, je l'ai rencontré sur le bateau. Qui est-ce? Je te dis, je ne sais pas. Et c'est Rose. Je les ai achetées pour les peintres. Tu peins des fleurs fanées maintenant? Enfin, nous parlerons de tout cela. Je vais demander une lampe. Est-ce que je peux vous emprunter une lampe? J'ai peur qu'on ne voit déjà plus rien là-haut. Mais avec plaisir. Alors, nos amoureux sont venus visiter leur nuit? Une permission? Même pas. Il est de passage. Il repart demain. Je vous accompagne. Chut, Thérèse. Merci. Soyons discrets. En bas. Les marins sont des gens charmants, ce sont les propriétaires et toujours prêts à rendre service. C'est pas grand ici, mais c'est ce qu'il vous faut. Tout ce qui reste sera enlevé dans 8 jours. Et moi, à votre place, c'est ici que je ferai la chambre à coucher. Tu as vu des choses intéressantes? As-tu rapporté des mesures au moins? Moi, je verrai le lit ici, la tête au mur. Enfin, mes enfants, vous ferez comme vous voudrez. Moi, ça ne me regarde pas. Eh bien, je vous laisse. Je vais en avant à la maison, je prépare le dîner. Tu ne veux pas que je vienne avec toi? Non, 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 tout est prêt. C'est un dîner froid, je vous avertis. Venez quand vous voudrez. Oh, je ne sais pas comment sera cet appartement en hiver, mais il fait une chaleur terrible. Bonjour, papa. Tu as retrouvé l'erreur? Il est 8, 14 et 6 ans. Non! Bonjour. Est-ce que papa a retrouvé l'erreur? Pense-tu? Il y a une erreur qui ne rattrapera jamais, c'est de s'être apercevoir de l'enregistrement. Oh, François. Enfin, écoute, il n'a jamais su ce que c'était qu'un chiffre. C'est tous les mois la même comédie. Monsieur. Bonjour. Salut. Bonjour. On ne parle pas la bouche pleine. Voilà. Est-ce que papa a retrouvé l'erreur? Ben non, bien sûr. François, oui. Édouard, viens déjeuner. T'as donné une lettre?
Non, pas spécialement. Tiens, on voulait justement une petite intéresse, elle vient du lycée. Ça va. Et dis donc, tu n'as pas été au lycée avant-hier? Pourquoi tu nous as raconté des histoires? Non, je sais pas. J'étais à Paris. Bonsoir, les enfants. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe depuis deux jours? Il y a quelque chose qui ne va pas? Je ne peux pas te dire. Pas maintenant. C'est comme tu voudras. À l'occasion. Pense-y. Papa, tu as une tache d'encre sur la joue. Bonjour. Bonjour, vieux. Ah, dis donc, tu sais ton infirmière qui a tourné de l'œil? Oui. Elle est ici. Qui t'a dit ça? Je l'ai vue par la fenêtre. Bonjour, messieurs. Asseyez-vous. Où ça? Dans la lingerie. C'était fini l'hôpital. Ma mère m'a forcé à revenir. Pourquoi forcer? Vous vous êtes laissé faire? Il le faut, il me surveille. Il n'y a donc pas de place aujourd'hui. Vous n'avez pas reçu ma lettre? Vous ne m'avez pas écrit? Hier soir. Pourquoi si tard? Je ne pouvais pas, je n'étais pas seule. C'est bien ce que je vous reproche. Marthe. Je voudrais vous parler. Venez ce soir à 10h au ponton. Si vous avez quelque chose à me dire, je suis là. Non, pas ici, pas maintenant, c'est impossible. Non, je veux savoir la vérité. Quelle vérité? Mais je vous ai vu. Je vous ai vu tirer les rideaux. Monsieur, dont je ne sais pas le nom. C'est encore ma fille que vous êtes venue voir? Oui, madame. C'est parfait. Je pense qu'elle vous a dit ce qu'elle avait à vous dire. Non, non, mais je le sais. T'es pas prêt. Tu veux que je le dise moi-même? Ah, tais-toi. Pourquoi tu as honte de ce que tu as fait? Oui. Trop tard, il ne fallait pas le faire. C'est moi qui devrais avoir honte, deux fois honte. Mais tant pis. Je suppose que vous avez compris, mon petit bonhomme. Maintenant, on n'a plus besoin de vous. Au secours! Appelez quelqu'un! Qu'est-ce qui se passe? Emmenez-le! Allez, allez, relâchez-moi, vous! Tiens, ne me touchez pas, moi, hein! On vous apprendra à respecter le rang d'un soldat! Il se retrouve à rôder par ici, t'auras mon pied au cul! Tu m'as compris? Prends-toi! Prends-toi! Voyons, voyons, voyons! Marthe, Marthe, veux-tu lâcher cette fenêtre? Tu verras. Tu me remercieras un jour. Tu as entendu? T'inquiète donc pas, oui. Encore plus tard qu'avant-hier. Ah, cette fois, je suis sûr d'avoir entendu. C'est toi, François? François! Tu vois bien qu'il est rentré. Non. Laisse-moi faire. Ce sont des histoires d'hommes.
tu es rentré? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je pensais que vous étiez couché, je voulais vous dire bonsoir. Où étais-tu passé depuis ce matin? Hein? Tu n'as pas bonne mine. Je suis pas malade. Mais tu as bu? Oui, j'ai bu. François, on ne boit pas quand on a rendez-vous avec Marthe. Où as-tu trouvé ça? C'est la lettre que tu attendais ce matin. Je l'ai ouverte. Je te demande pardon. Ta mère était si inquiète. Au ponton à 10 heures. Tu vois bien que je suis en train de ne pas y aller? Parce qu'elle dit nouveau depuis la lettre! Elle m'a trompé. Comment le sais-tu? Elle te l'a dit? C'est la même chose. Mais François, puisqu'elle veut te voir... Non, je ne veux pas aller la voir! Ce qui est fini est fini. Tu es libre. Mais au moins, sois franc. Tu ne veux pas y aller parce que tu as peur qu'elle ne soit pas venue. C'est ça. Et si elle y était quand même? Non, j'irai pas! Ton aise. Alors, donne-moi ça. Oh, tu empêcheras rien. Allons, François, ne fais pas l'imbécile. Et viens avec moi. D'ailleurs, le rendez-vous était pour 10 heures, tu sais. Même si elle était venue, elle serait déjà repartie. J'avoue que ça devient chanceux. Pourtant, regarde. Elle a gagné, ton vieux père. Elle m'a attendu une heure. Alors? Tu y vas? Non, j'ai plus envie d'y aller. Est-ce que tu as vu qu'elle tenait encore à toi? Quand une femme vous a fait du mal, c'est malheureux à dire. Quand on voit qu'elle tient encore à vous, on la quitte plus facilement. C'est moche. Emmène-moi, papa, je voudrais partir maintenant. Le plus loin possible. Tu partiras demain. Thank you.
large et que je ne pourrai jamais arriver. Il y a un tel monde dehors avec l'armistice. Bonjour, ma sœur. Tu ne trouves pas que c'est drôle, toi, qu'on enterre un jour comme aujourd'hui? Oh oui, alors. Tu sais quand t'as disparu cet été? Oui. J'ai cru que ton père t'avait foutu chez les jésuites. Ah, j'ai une tête à aller chez les jésuites, moi. Allez, quoi, parle-toi vite. Bonjour, ma vieille. Comment ça va? Ça va, merci. Tiens, François. Vous voilà revenu? Oui, c'est la rentrée. Je m'attendais bien à vous revoir. Vous avez passé de bonnes vacances? Une très bonne, et vous? Eh bien, moi, vous savez, je suis mariée. Je sais, j'ai appris ça. Je vous félicite. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai appris l'hôpital. Ah, et moi, le lycée. Alors, nous nous reverrons. Sûrement. Vous sortez toujours à cette heure-ci? Ça dépend des jours. Alors, cahier, tu t'es fait repincer? C'est de l'histoire ancienne. On dit on est. Tu m'accompagnes pas? Non, je passe par là. Au revoir. Bon, au revoir, François. Vite. J'ai de grandes jambes. Ce n'est pas après moi que vous courriez? Si, justement. Pourquoi ça? Écoutez, Marthe, j'ai pas osé vous en parler tout à l'heure, mais vous devez être fâchée contre moi. Pourquoi fâchée? Ah oui, c'est peut-être de l'histoire ancienne, mais enfin, avant les vacances, quand je ne suis pas venue à votre rendez-vous sur le ponton. Oh! Eh bien, vous me soulagez, j'avais tellement honte. Moi non plus, je n'y suis pas allée. Ah! Je n'avais pas pensé à ça. Ah, mais alors, c'est très bien. Oui, je pense. Oui, évidemment. Et vous êtes heureuse? Oui, très. Bien, bien, bien. On pourrait... On peut voir chez vous? Oh, ça vous amuserait? Oui, je crois. Service à Porto.
Je dirais pas que c'est pas un cadeau de mariage. Ça se voit. Oui, plutôt. Attendez, vous n'avez pas de feu, j'ai un briquet. Non. Vous savez vous servir de ça, vous. Alors finalement, c'est ce salon-là que vous avez choisi. Vous vous rappelez? Oui. Moi, vous savez, je ne l'aimais pas du tout, alors. Je n'ai pas changé d'avis. On peut jeter un coup d'œil, là? Non. C'est pas permis? C'est ma chambre. Elle est en désordre. Qu'est-ce que ça fait si vous voyez la mienne? C'est ça que vous appelez en désordre? Oui, un petit peu. Ne regardez pas trop. Vous connaissez? Non, pourquoi? Mais c'est vous qui l'avez choisi. Voulez-vous le faire dire? Ce qui vous fait penser à moi, au moins? Oh, François! Bien plaisanté un peu. D'ailleurs, vous avez raison, il n'y a pas de quoi rire. Dieu, Marthe. Vous partez déjà? Déjà, c'est même un peu tard. Vous êtes tellement pressé? C'est pas ça que je veux dire. Ce serait trop beau de choisir le lit et de coucher dedans. François! Revenez, je ne veux pas que vous me quittiez comme ça. Du matin. Oh, il fait encore nuit. Surtout que personne ne se dérange. Quand rentrez-vous? Je sais pas, on restera dehors toute la journée. Tu veux pas m'emmener? J'ai pas 30 km à pied, toi. C'est pour bon froid qu'il veut y aller. Maman, je t'ai déjà dit que c'était pas la peine. Et René apportera tout. Vous mangerez bien tout ça. Et puis de quoi je vais avoir l'air avec une musette? T'auras l'air d'un père missionnaire. Oh, c'est malin. En tout cas, vous aurez beau temps. D'ici 6h du matin, ça peut encore se lever. Oh non, écoute, maman, je t'en prie, mets pas de fromage. Thank you.
Excusez-moi, Marthe, je suis tout trempé. Oh, c'est effrayant, il n'a pas pris le manteau. Venez, vous allez prendre le froid. J'avais presque peur que vous ne veniez pas. Presque seulement? Oui, seulement. Venez. Oh, ça! Oh, c'est une idée de génie. Vous n'allez pas garder votre veste? Donnez-la-moi. Ah oui, elle est toute mouillée. Ah, je vais vous la faire sécher. Ah, il fait froid. Il y a une drôle d'odeur, votre feu. C'est du bois d'olivier. Vous n'aimez pas ça? Si. Mais je ne le connaissais pas. Mais vos parents ont une propriété près d'Avignon. Ah oui? Votre chemise aussi est toute trempée. Attendez, je vais vous faire un grog. Tout. Allez, buvez vite. Après ça, je vous frictionnerai. Mmh. C'est ce qu'il faut. Allez. Vous savez, je suis pas malade. Tant pis, je vous soigne quand même. Allez, finissez-le tout seul. Il est bon, ce grog? Merveilleux. Vous en gardez un peu? Non, 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 je ne bois jamais d'alcool. Qu'est-ce que c'est? De l'eau de Cologne. Je vous assure, c'est idiot, j'ai plus froid. Laissez-moi faire. Mais non, voyons, Marc. Vous allez m'obéir. Non, mais j'aime pas le genre maternel. Aïe. Mais. Oh. Je vous ai fait mal? Non. Chantent le matin. En vrai, ils ont chanté toute la nuit. Oui. Je ne les avais jamais entendus. Menteuse. Je te jure. Comment veux-tu que je te crois? François. Je n'ai jamais été aussi heureux. J'ai dit à quelqu'un. Tais-toi. Je ne lui pardonnerai jamais de t'avoir prise avant moi. Ça n'a pas compté, François. Cette nuit, j'ai bien vu que ça comptait. Mais lui n'a pas compté. Moi, je le sais bien. C'est toi qui ne sais pas encore. Évidemment que tu as de l'avance. Oh, François.
il sait bien que je ne l'aime pas. Il me le reproche assez. Tu n'y penses pas? Je ne peux pas lire ses lettres. Non, ne me regarde pas comme ça. Mais tu as raison, c'est mal. Pourquoi l'as-tu épousé? Pourquoi n'es-tu pas venu au ponton? Tu y étais, non? Oui, François. Je t'ai attendu plus d'une heure. Si tu étais venu, je ne me serais pas mariée. Écoute pas. Non, laisse-moi parler. C'est très bien que tu ne sois pas venu. Je l'ai regretté pendant 3 mois. Maintenant, je ne le regrette plus. Comme elle sait bien arranger les choses. Mais François, tu ne comprends pas. Elle s'arrange toute seule. Si je n'étais pas mariée, tu ne serais pas ici. Je vivrais encore avec ma mère. Jamais nous n'aurions pu nous revoir. Je t'aurais enlevée. Enlevée à qui? On nous aurait rattrapés et séparés tout de suite. Tu m'aurais enlevée à toi. Tu as toujours raison. Et tu ne serais pas dans ce lit que tu as choisi. Tais-toi. Je savais qu'il ferait beau aujourd'hui. Moi, ça m'était égal. Si c'était ton mari. Oh, que tu es bête. Il nous tuerait peut-être. Non, deux coups, c'est ma mère, ne bougeons pas. On dirait que tu as envie de mourir. Je crois pas. Mais il aurait bien le droit. Tu ne m'aimes pas beaucoup. Pourquoi dis-tu ça? Il faudrait qu'ils nous tuent tous les deux, naturellement. Comme ça, on resterait ensemble. Sans lui. Pas besoin de mourir. Elle les a glissés sous la porte. C'est de lui. Tiens, fais-en ce que tu voudras. Tu vois bien que ça m'est égal. À moi aussi. Tu peux les lire. Ne m'en parle pas, c'est tout. Elle était longue, celle-là. Tais-toi. C'est pour que tu comprennes bien. Assez. Lisons au moins une. François, nous sommes récompensés de l'avoir ouverte. Les permissions sont suspendues dans son secteur, il ne viendra pas. Quelle permission? Tu l'attendais donc et tu ne me le disais pas? Oh, François. Mais alors tu nous trompes tous les deux? En quelques jours, tu m'aurais trompé avec lui. C'est vraiment trop facile, la guerre. Pourquoi es-tu si méchant? N'abîme pas notre premier jour de bonheur. Il fait si beau.
en permission? Pas trop tôt, dites-donc. Mais je crois bien que cette fois, c'est la dernière. Vous croyez? Oui, ça va finir, cette saloperie-là. Ça n'ira pas jusqu'en 18, vous verrez, tout le monde en a assez. Vous n'aurez pas le temps d'y aller, je vous le dis. Ah, je vais vous demander 20 francs de garantie. C'est l'habitude de la maison. Bon voyage. Et attention aux sous-marins. J'ai entendu le type du canot tout à l'heure. La guerre va bientôt finir. Tout le monde dit ça maintenant. Tu n'as pas de cœur. Tu ne penses même pas que si la guerre finissait, nous serions séparés. Tu sais ce qu'il va nous arriver? Oh. Dis-le-moi. Tu me quitteras, François. Tu es folle. Pourquoi veux-tu que je te quitte? Je ne le veux pas. Mais tu me quitteras parce que je suis trop vieille pour toi. Oui, trop vieille. Beaucoup trop vieille. Dans 10 ans, toi, tu seras jeune. Moi, je serai vieille. Alors, je ne pourrai que souffrir. Si tu me quittes, je mourrai. Si tu restes, ce sera pour me faire plaisir. Et je serai malheureuse de devoir sacrifier ton bonheur. Peut-être même je t'en voudrais. Non, je ne t'en voudrais pas. Tu dors. Et il dort. On ne peut pas être à la fois de nuit et de jour. Bonsoir. Oh, je m'excuse d'être en retard. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Je parie que vous m'avez attendu. Il fallait pas. Mais quelle heure est-il donc? 8h36. Non, déjà? Oh, ça, je suis désolé, alors. Oh. T'as fait une bonne promenade? Oh, merveilleuse. La forêt est belle. Oh, c'est la meilleure saison. Les feuilles jaunissent. Et ils sont pas encore tombés, les arbres. Où avez-vous déjeuné? Un peu avant Brunois. Sur un rocher plat. Tu as eu assez dans ta musette? Beaucoup trop, René, avais-tu apporté? Ce bon René. Il est gentil. Il est venu ici à 5 heures. Il a été très étonné de savoir qu'il était en promenade avec toi. C'est bien, quoi, bah, vous en savez autant que moi. Pas autant qu'il faudrait. Oui, il n'y a pas de quoi rire. N'oublie pas qu'une fois, déjà, je t'ai envoyé faire un bout de retraite et assez loin. Pardon, c'est moi qui te l'avais demandé. Bah, la prochaine fois, tu n'auras pas à le demander. Je sentais que tu allais venir. Je t'ai appelé, François.
Je t'attendais, tu sais. C'est avec lui que tu m'attendais? Ne lis pas, c'est une mauvaise lettre. Le bagmestre vient de passer. Toujours rien de toi. Si tu ne m'aimais plus, j'en mourrais. Et ici, tu sais, ce ne serait pas difficile. Je ne sais plus quoi faire. Tu ne m'écris plus jamais? C'est pas possible, Marthe. S'il meurt... François! Ce sera ta faute. Je ne veux pas de ça. Mais maintenant, François... Tu vas lui écrire tout de suite. Il faudra lui mentir encore plus. Jamais je ne pourrai. Mais si, allons, viens. Assieds-toi. Je ne peux pas. Mais je vais te dicter. Embrasse-moi là-bas. Après. Comment le dis-tu d'habitude? Je ne sais même plus, mon chéri. Bon, alors écris. Mon chéri. Pas qu'on l'a mise à la porte. Oh, l'histoire du lycéen. Alors, qu'est-ce que je réponds? Allez chercher sa mère. Une minute. Oui, oui, ne vous impatientez pas. Tenez, prenez ma place. Allons, les enfants, allons, un peu plus vite. Allô? Allô, c'est vous, Jacques? Non, non, c'est sa mère. Où êtes-vous? Rien de grave? Ah. Non, 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 elle n'est pas ici. Non, non, rassurez-vous. C'est son jour de congé, simplement. Mais oui, oui, je vous écoute, Jacques, je vous écoute. Alors, il paraît que le mari est là? Oh non, il téléphone seulement. Grâce à Dieu. Et donc, moi, je trouve qu'il ferait pas mal de se montrer un peu par ici. Je serai de retour dans une demi-heure. Vous n'allez pas sortir en pleine alerte. Chercher un mot. Quel mot? Mineur. Je me documentais. Je voulais savoir quels sont les droits d'un mineur. Eh bien, Marthe, si j'ai compris, les mineurs n'ont aucun droit. Nous n'avons aucun droit dans la vie. Ni toi, ni moi. Même pas celui de danser. Celui-là, on le prend. Tu remontes jamais l'appareil à fond. C'est vrai, ça. Tu es tellement pressé de danser.
approche. Alerte, c'est ta mère. C'est pourtant que tu es toujours ici le soir. Reste ici, bouge pas. C'est parfait. Tu laisses toutes tes fenêtres éclairées. Pendant une alerte. Tu trouves qu'on ne marque pas suffisamment comme ça. Et tout le temps aussi, par-dessus le marché. Un petit panneau. On vous voit du jardin. Ce n'est pas la peine de vous cacher. J'ai à vous parler. À tous les deux. Viens, François. Qu'est-ce que tu me veux? Ton mari passera cette nuit à la gare. Il ne pourra pas descendre, mais il veut te voir. Il te demande d'aller l'attendre. Il sait tout ce qui se passe ici. Je vous remercie, j'y serai. Vous êtes fou? C'est Marthe qu'il veut voir. Elle viendra avec moi si elle veut, mais elle n'ira certainement pas seule. Et si son mari est au courant, il ne sera pas étonné de nous voir ensemble. Je vous défends d'y aller. Ça, je voudrais bien savoir comment vous m'en empêcheriez. Marthe, je t'en supplie, qu'il n'y aille pas. François, il vaut peut-être mieux... Non, Marthe, c'est décidé. Je suis trop heureux qu'il sache maintenant. Les salauds qui l'ont averti lui ont peut-être fait du mal. Mais à nous, ils auront fait du bien. Oh, je vous en prie, ne prenez pas vos grands airs. Vous n'êtes pas encore un homme. Je ne le croyais pas non plus. À quelle heure ce train? Des bancs? S'il le faut, je passerai toute la nuit à la gare. François, attends-moi. Tu as raison, c'est peut-être mieux. N'y allez pas! Marthe! Tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas montrer ce garçon à ton mari, sur ma quête gare. Et devant tous ses camarades. Allez, viens, Marc. Vous n'allez pas sortir pendant l'alerte. On s'en fout de votre alerte. N'y allez pas. Je ne sais rien. Elle ment. C'est vrai que tu mens? Non. C'est tout à l'heure que j'ai menti. Je ne sais rien. Comment voulez-vous que je vous croie? Oh, croyez-moi, ne me croyez pas. Ça se voit, je pense que je dis la vérité. Il avait une voix tellement heureuse au téléphone. Alors pourquoi avez-vous menti? Je fais ce que je peux pour lui. Et pour toi. Tu voulais me faire peur. Oui, bien sûr. Grande mitaine. Vous n'avez pas honte? Laisse-la. Dommage que ta mère ait menti. Elle n'a pas menti tout à fait. Comment ça? Jacques ne sait rien. Son train traverse la gare cette nuit, mais on ne sait pas à quelle heure. Il faut que j'y aille, j'attendrai. Nous attendrons. Ce n'est plus la peine que tu viennes, puisqu'il ne sait rien. Eh bien, Marthe, il saura. Tu veux vraiment lui parler? Oui. Tu sais, tout à l'heure, quand j'ai cru qu'il savait tout, j'ai été tellement soulagée. Oh, je t'ai tellement aimé, Marthe. Ça n'est plus possible de revenir en arrière, il faut que ça devienne vrai. Il faut lui dire. Tu sais à quoi tu t'engages? À toi? Oh, François, mon chéri. Ce soir, tu fais des choses tellement extraordinaires. Oh, je ne trouve pas, moi. Alors tu m'aimes? N'est-ce pas que c'est un grand jour? Et encore, tu ne sais pas tout. Tu me caches quelque chose? Oh, François, je n'aurais pas pu te le cacher. Mais j'avais peur que tu n'aies pas envie de savoir. Ce soir, je sais que tu en as envie. Écoute.
Oh, Marthe. Oh, Marthe. Et tu n'es même pas plus lourde. Tu ne me le disais même pas, sale égoïste. Fais voir, où est-il? Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait être aussi heureux. Tu sais maintenant que tu ne pourras plus me quitter. Non, ce n'est même pas pour ça que je suis si heureux. Tu penses déjà moins à moi. Tu es bête. Oh, François, tu vas te moquer de moi. Tu vas dire encore que je suis une petite bourgeoise, mais je sais maintenant que Dieu a récompensé notre amour. Que nous n'avons rien fait de mal. Tu n'as pas peur pour notre jeunesse. Chut. Il pourrait t'entendre. Et nos parents? Les parents? Mais c'est nous maintenant, les parents. On aurait dû y aller. Ce soir, j'étais trop heureuse pour lui faire de la peine. S'il s'agit vraiment de ne pas lui faire de peine, éteignons la lampe. De la gare, on va à ta maison. Tout le temps pas. Déjà. Jamais eu autant de temps que ce soir. Oui. Je me demande où il va. Bon, s'il passe par là, c'est qu'il va pas dans un endroit dangereux. Je ne dis pas ça. Je voudrais savoir. Tu auras une lettre. Dès qu'on aura son adresse, il faudra lui écrire. Oui, c'est peut-être plus facile à écrire qu'à dire. Tu crois? Oui, j'en suis sûr. Tu verras cette lettre-là, je te la dicterai aussi. Tu veux? Oui. Non, oui, je sais que je devrais l'écrire seule. Mais ça, je ne pourrai jamais. Jour. Maintenant, il est passé. Oui. C'est très grave ce que nous avons fait. Oui, je sais. Il m'attendait. Ah, c'est comme si tu y étais allé. Maintenant, il a compris. Pas tout. Oh, presque. Éteins. Mais éteins donc. Ah, tu vois, il est venu. Oh, François, j'ai peur. Qu'est-ce que nous allons faire? Non, appelle-moi toi, Marc. Je vais lui parler. Non, François, cache-toi. Non. Est-ce qu'il veut savoir? Laisse-moi, Marc. Mme Lacombe. Oui, et c'est ici, pourquoi? C'est un sergent qui est passé en gare et qui m'a donné ça pour elle. C'est bien ici, je... Merci, oui, merci. Je le remettrai. Qu'est-ce qui se passe, François? Rien, c'est... C'était pas lui, tiens. Thank you.
Qu'est-ce que tu as? Tu es pâle comme un mort. Non, c'est passé, c'est fini. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, il sera demain à Bourges, il me demande d'aller le voir. Eh bien, Marthe, nous irons à Bourges. Ah oui, je crois qu'il faut. Quand veux-tu? Le plus tôt possible. Demain? Le bateau part à 11h, on déjeunera à Paris. Le bateau de 11h. Tu ne veux pas un peu d'alcool? Non, pourquoi? J'ai seulement soif. Remarque. Tu ne restes pas avec moi? Non, il faut que je voie mon père. Tu ne vas pas lui dire? Pourquoi? On a égalité maintenant. Moi aussi, je suis père. C'est moi. Tu as retrouvé ton erreur? Non. Sans ça, je ne me serais pas levé si tôt. Ça m'aura donné l'occasion de te voir. Ne sont pas si nombreuses. Tu remarqueras que je ne te demande rien. Tu es gentil. Je ne sais pas si je suis gentil. Ce que j'en fais, vois-tu, c'est par intérêt. Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, j'aurai besoin de ta confiance. Tu as confiance en moi, François? Oui. Et s'il t'arrivait quelque chose, tu me parlerais? Dommage, car il t'arrivera sûrement quelque chose, François. T'as envie de dormir, mon enfant. Valise. Écoute, Marthe, nous ne partons plus. Tu as changé d'avis? Je ne peux pas me permettre de manquer le lycée plusieurs jours de suite. On me mettrait à la porte et nous serions séparés. Mes parents m'enverraient je ne sais où. François, c'est toi qui m'as dit cette nuit, nous partons. Ah non, mais je sais bien, mais c'est de ma faute. Seulement cette nuit, on était bouleversés tous les deux. On a décidé ça trop vite. Pas moi, je n'ai rien décidé. Je t'ai obéi. Obéis-moi encore. Mais maintenant. C'est ton père qui t'a conseillé. Même pas. Alors c'est toi qui veux que j'y aille seule. Non, mais tu comprends pas. Mais non, tu n'y vas pas non plus. Tu sais bien qu'on ne peut plus attendre. Il faut que je revoie mon mari. Pourquoi? C'est la seule solution maintenant. Va! Qu'est-ce que tu lui diras? Je n'y vais plus pour lui parler. Thank you.
Plénipotentiaires allemands ont quitté Berlin ce matin pour venir demander l'armistice. On ne peut pas leur parler sérieusement. Dernier. Elle lui fait une belle jambe. Ils vont rentrer bientôt maintenant. Ah, oui, c'est vrai. C'est embêtant pour vous, ça. Remarque que moi j'y gagne, on commencera à se voir plus souvent. On se verra encore bien moins. Et peut-être plus du tout. Comment ça? Je crois que je vais partir avec elle. Tu vas pas embarquer une femme qui attend un gosse, non? Pourquoi pas? Écoute bien, je trouve qu'on peut prendre sa femme à un homme n'est pas son enfant. Là, François, tu me dégoûterais. Je crois qu'on n'a pas le droit de prendre son enfant à un homme. Mais non, ça, c'est vraiment dégueulasse. Je suis bien de ton avis. Adieu, René. Montez, jeune homme. Il n'y a plus personne là-haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a pris le train. N'insistez pas, je vous dis qu'elle est partie. Vous faites le tour des uns et le départ des autres. Fini la rigolade. Thank you.
vois-tu? Je t'en prie, ne te mets pas en colère. Je suis très fatiguée. Mais qu'est-ce que tu fais ici sans moi? Je vais chez ma grand-mère en Bretagne. Là où tu voulais m'emmener, hein? Oui, j'ai voulu t'y emmener. Mais tu vois, j'y vais seule. Il faut que mon enfant naisse là-bas. Mais je vois pas pourquoi. Mais si, tu vois très bien. Mon mari viendra pour la naissance. Là-bas, au moins, personne ne pourra lui parler de toi. C'est ta mère qui t'a forcé? Un peu. Elle a bien fait. Mais enfin, Marthe, tu pouvais me dire quelque chose? Oh, nous avons si souvent parlé. Ça ne servait jamais à rien. Il y avait toujours un de nous deux qui finissait par pleurer ou par se mettre en colère. Je ne peux plus supporter ça. Attends-moi, François. Je reviendrai. Oui, tu reviendras. Tu reviendras avec ton mari et tu lui auras donné mon enfant. Tu sais bien que nous avons fait ce qu'il fallait pour que cet enfant soit à lui. Oui, je sais. Tu es parti le rejoindre un jour et je t'ai laissé aller. Mais rends-toi compte, Marthe. Je ne pouvais pas l'imaginer. Il faut que je voie, moi. Il faut que je touche. Il a fallu que je te voie le porter pour que je l'aime. Je ne veux pas que tu me l'enlèves. Tu m'as dit si souvent le contraire, François. Tu t'es trop contredit, je n'en peux plus. Je ne suis plus seule, moi, tu comprends. Je ne peux pas être aussi faible que toi. Mais tu as raison, Marthe. Je ne suis pas un homme. Connais-tu un homme que quand tu me tiens dans tes bras? S'il vous plaît. J'ai pas de billets. Ah, c'est vrai que tu ne pensais pas venir. Un père aussi? Non, Paris. Tu me quittes. Je peux pas le savoir, mais tu me quittes. Mais dis-le-moi, Marthe, que tu me quittes, que c'est bien fait pour moi. Mais dis-le-moi, je veux te l'entendre dire. Oui, François, je te quitte. Puisque tu veux te faire mal, il faut que je t'aide aussi à te faire du mal. Je te quitte, là. Tu es content. Tu pourrais me quitter, Marthe. Je sais bien que je t'ai marqué. J'ai deux enfants. Bonsoir. C'est Paris. Vous nous avez reconnus? Ah, je pense bien. Mon pommard 1905, ça ne s'oublie pas. Eh bien, je peux vous l'avouer maintenant, il ne sentait pas du tout le bouchon. Ah, vous me faites plaisir. Oh, je savais bien. Mais pourquoi m'avez-vous fait ça? Ça, c'est un secret entre madame et moi. Donne-moi aussi. C'est très fort, ce n'est pas bon pour toi. Je ne me sens pas très bien. Tu as mal? Je peux demander un taxi, je te déposerai chez tes beaux-parents. Non, ça va passer. Ils m'attendront bien encore un peu. C'est dommage. J'aime bien cet endroit. Je n'y reviendrai jamais. Tu reviendras avec ton mari? François, comment peux-tu dire? Ou avec un autre homme? François, je ne tromperai jamais mon mari. Est-ce que tu en sais? Tu ne comprends pas pourquoi. Non. C'est pour toi. C'est pour te rester fidèle. Je n'aurais pas pensé à ça. Tu vois, ça me fait plaisir.
n'avais pas cru. Un jour, j'écrirai un livre avec notre histoire. Oh, tu l'auras vite oublié. Justement, ce sera pour me la rappeler. Mais tout le monde me reconnaîtra. Je changerai ton nom. Tu raconteras tout. Ce que je sais, parce que toi, tu ne m'as pas tout dit. Parle de ta mère. N'en dis pas trop de mal. Pour ça, je ne promets rien. D'ailleurs, je suis tranquille, tu n'écriras rien du tout. Ah. Tu es trop paresseux. C'est toi qui m'empêchais de travailler. En somme, c'est très bien que je m'en aille. Évidemment. C'est bien ce que nous avons décidé, non? C'est bien dîner d'adieu. Oui. Bien sûr. Et ça finira comme ça, ton livre? Oh non. Je sais pas encore. Non, sûrement pas par un dîner. Alors il faudra que tu inventes. Dans un livre, forcément. Par exemple, je pourrais me tuer. Oui, ça ne serait pas mal. Et tu te tuerais comment? Faut voir. Peut-être du haut du pont, hein. Et si c'était moi qui me tuais? Le jour où je t'attends sur le ponton. C'est beaucoup trop tôt. Il n'y aurait pas d'histoire. Et si moi je venais au rendez-vous du Pantin? Je te regarde de loin, je ne te dis rien, et je m'en vais. Oh, ça c'est bien de toi. Ça n'a pas de sens. François, ne plaisante en plus, c'est trop triste. Mais tu as raison. À quelle heure ton train pour Quimper? Je ne sais pas, mes beaux-parents me le diront. Tu sais ce qu'on fait dans les dîners d'adieu? Non. On casse un verre. Je vous donnerai l'addition, s'il vous plaît. Ça ne va pas? Oh, si tu restes avec moi, je n'aurai plus mal. C'est à moi. Tu m'inviteras la prochaine fois. Est-ce qu'il y aura une prochaine fois? Il faut que tu rentres. Oh non, pas encore. Il y a un autre endroit où j'aimerais aller. Il paraît raisonnable. Regardez-moi ça. Vous voulez pas plutôt un whisky? Un whisky? Ah non, ça je te le défends, c'est de la pure folie. Puisque c'est la dernière fois. Tu vas arriver malade chez tes beaux-parents? Malheureusement pas. Tu tiens bien le coup ce soir? Oui. Je ne sais pas pourquoi. Quelle heure dois-tu être chez eux? 3 heures, ils m'attendent. Je vais leur téléphoner comme si je partais seulement de chez moi. Ça nous donnera jusqu'à minuit. Minuit et quart.
C'est bien ce que nous avions décidé, n'est-ce pas? Non, moi, je ne sais pas imaginer, il faut que je vois. Je vais téléphoner Marthe. Le ministère. Un instant, vous avez bien quelqu'un à la cabine. Tu veux bien fermer la porte pour entendre le piano? C'est pas vrai. Je veux pas te quitter. Oh, oh chérie, j'ai tellement... Silence! Silence! Calmez-vous! L'armistice n'est pas signé! Pas signé! Qu'est-ce qui vous a raconté ça, vous? C'est au journal. En tout cas, si c'est pas pour ce soir, c'est pour demain. Et vous trouvez que ça n'est rien, vous, encore une nuit de guerre. François, ça ne va pas du tout, mais moi. Tu as très mal. Où veux-tu aller? N'importe où. Oh! Tiens-moi bien, je voulais tomber. J'ai tout. Mais il faut l'étendre, voyons. Si, si, j'ai mieux, merci. J'ai pas. Faites quelque chose, enfin. Appelez une ambulance. Bien sûr, mais où ça? Mais maman à l'hôpital. Vous n'allez pas la laisser là. Allez téléphoner. Tenez! C'est son verre, ça lui fera du bien. Oh, laissez-la tranquille, elle n'a pas besoin d'alcool. Alors, la santé de la maman et du papa. Marcher? Oui, je crois. Alors, c'est parfait. Il est là, vous. Où est ta valise? Ah non! Pardon. J'en avais assez fait comme ça. Alors, vous n'êtes pas le père? Là, la pauvre petite. Tu sais qu'il est encore là? Non. Bien. Après qu'on l'a mis sur le foie à la porte. Oh, ben, il y
y a des gens qui n'ont vraiment pas de dignité. S'il vous plaît. Merci. Voilà enfin, Jacques. Mon pauvre petit. Ce n'est pas bien du tout. Attaisez-vous! Accrochez dans vos drapeaux!